Paraissant devant la beauté, tout cela se déroule totalement en dehors du temps. Car peu importe que je rencontre la beauté l'espace d'une seconde ou l'espace de 100 ans, non seulement la félicité se situe en marge du temps, mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie. Je me soulève d'en haut de mes épaules le fardeau du temps. Amma, ayya, amma.